Sur cette chaîne Chris Sinclair Show, ce mercredi à 18h pour un nouveau numéro concernant une question que vous me posez ou qu'on m'a souvent posée par le passé, bien évidemment, c'est pourquoi êtes-vous sans enfant et qu'est-ce que je pense de la situation et est-ce que je ne regrette rien ? Avant cela, si vous voulez, je voudrais vous demander déjà de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements, les abonnements, bien évidemment, à la chaîne. En tout cas, vous arrivez nombreux en ce moment et là, c'est fort adorable. Mais ce qui me permet, si vous voulez, avec vous, d'échanger divers sujets, etc. Et puis, on verra bien la suite des événements. D'accord. Alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer tout ce qui s'est passé au cours de mon existence et pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui, tout simplement. Alors, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, si vous voulez, je suis née à une période où les valeurs étaient complètement différentes. À savoir que je suis née dans une famille normale, mon papa était là, ce ne se fait, comme je dis à la SNCF, et maman était couturière. Avec une famille omniprésente, on peut le dire comme ça. Donc très tôt, j'avais des dons, ça, mais vous le savez déjà, une maman qui était pareille, une grand-mère et une grand-tante également, et une arrière-grand-mère, mais que j'ai pas connue très très longtemps. Voilà, bon, bah, écoutez, elle s'appelait Émilie, et voilà. À l'âge de 8 ans, si vous voulez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que vous compreniez mon cheminement et pourquoi aujourd'hui je ne regrette absolument rien. À l'âge de 8 ans, je commence à avoir des dons sérieux et ma famille en faisait les frais. Parce que vous savez, à l'époque, alors mes amis qui sont des mêmes périodes, toutes les familles se réunissaient le dimanche. On était entre 20 et 25 à table le dimanche à la maison. D'accord ? Donc avec les grands dîners, on arrivait le matin, ils arrivaient vers 10-11 heures boire l'apéro. On mangeait, alors c'était hyper copieux, avec des champignons à la crème, une pintade, ou je ne sais, voyez-vous, ça changeait chaque fois. On mangeait le gâteau vers 16h, et on faisait le bouillon le soir. Mais à la fin, je vous dis pas ma fille, les kilos. Donc très tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai eu une période où je voyais plein de choses sur les gens, surtout l'hypocrisie, voyez-vous. Et ça, j'avais du mal avec ça. J'avais du mal à mesurer, comment il fallait ménager les choses. Alors, ma mère connaissait ça, bien évidemment, et elle me disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais un jour, le drame est arrivé. Voilà, j'avais mon parrain qui était juste en face de moi. J'avais sa femme Bernadette que j'adorais, qui était juste une adorable personne, et j'avais une jeune femme qui était juste à côté de mon parrain. J'ai dit en plein repas, tu n'as pas honte de coucher avec ta maîtresse et de la ramener à la maison? Oh, ça a fait un blanc. D'accord. À telle enseigne que mon parrain, je l'ai revu pour ma communion solennelle et après je ne l'ai plus jamais revu. Il avait la trouille de ce que j'allais annoncer. Donc très tôt, si vous voulez, c'était un peu compliqué par rapport au poids de la famille. Mais toutes les personnes, garçons ou filles, qui ont vécu cette période-là le savent, où les familles étaient omniprésentes, où il fallait les rendre des comptes tout le temps. Enfin, c'était barbant à la fin, mais ça, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'était plus que barbant. Voilà, vous voyez quelque part, ben, tout le monde, le téléphone, vous connaissez. Tout le monde était au courant de ce que vous faisiez, où vous alliez. Et pour moi, c'était très, très, très lourd. J'avais du mal à exister. J'avais deux frères au-dessus de moi qui prenaient un peu trop de place à mon sens. Enfin, je sais qu'ils écoutent mes vidéos, donc ils comprendront ce que je veux dire. Voilà. Donc, j'ai passé mon bac à 16 ans et demi et ma mère m'a dit à 16 ans et demi, juste après, je voulais faire des études de droit
pour être avocate. C'était mon premier but. Et elle m'a dit non. Non, non. Elle m'a réveillée un matin, une fois le bac passé. Elle a tout organisé. Alors, à l'époque, on trouvait du boulot, vous savez, dans les journaux, c'était le Dauphiné chez nous. Et elle m'a trouvé une place à Vaison-la-Romaine comme serveuse pour la saison, voyez-vous. Et en fait, j'avais une mère, c'est pas qu'elle me mettait dehors, c'est qu'elle était très intelligente. Et elle avait dit, au moins tu seras en sécurité, voyez-vous, parce que vis-à-vis de la famille, voyez-vous ce que je veux dire, c'était lourd. J'en avais marre de ce clan, de ce cercle, de cet amas d'énergie négative à mon égard. Donc, elle m'a envoyée à Vaison-la-Romaine, à la pizzeria du Vieux Vaison, je peux donner l'endroit exactement, où j'ai passé une saison. J'avais un collègue qui était serveur. Alors moi, c'était la première fois, j'avais un petit peu fait ça avec un de mes grands-pères qui était dans un café, bon, pour le donner un coup de main. C'était ma première expérience. Et j'avais rencontré un garçon qui s'appelait Guy, ou Guy Tou, et qui avait une voiture, une deux chevaux, qui était orange, qu'il avait appelé Manda. Voilà, pour mandarine, bien sûr. Enfin, j'ai passé un été absolument, ça a été une révolution pour moi, et j'ai connu les boîtes, j'ai tout connu, c'était hyper génial. À la fin de cela, j'ai pris la décision, bon, j'ai fait une erreur de parcours, j'ai rencontré un pot de chambre, comme je dis, excusez-moi, voilà, ça a duré quelques semaines, et puis après, retourne chez ta mère, d'accord, et je suis montée sur Lyon directement. À Lyon, j'ai repris mes études et travaillé chez la mère Vité, tout simplement. Alors, chez la mère Vité, c'est un restaurant brassé qui n'existe plus aujourd'hui, mais ça faisait partie des mères très réputées dans la gastronomie, si vous voulez, sur Lyon, tout à côté de Perrache, à côté de la brasserie Georges, qui existe toujours, elle, pour le coup. Et du coup, j'ai passé, je faisais mes études en parallèle à la Doua, à Villeurbanne, pour ceux, mes études de psy, parce que j'avais envie d'étudier ce domaine. Et je travaillais le soir. Donc, la journée, je faisais mes cours. Et le soir, je travaillais chez la Mérité, qui est un restaurant, une brasserie qui ouvrait H24. Mais c'était que des vieilles, puis c'était que du beau linge. Là, j'ai rencontré un garçon, Michel, qui était garde du corps, qui m'a fait voyager à travers le monde. Voilà, je vous dis grossièrement les choses pour arriver à l'ultime réponse ou question par rapport aux 100 enfants. Donc, on avait voyagé pendant 3 ans et demi. On a déménagé 15 fois. Mais c'était New Jersey, près New York. C'était Los Angeles, c'était Melbourne, Perth, que je recommande à tout le monde, à tout Français jeune qui veut aller s'installer en Australie, parce qu'il y a une grosse communauté francophone à Perth et Sydney. Et après, on a fait Sherbrooke. On cherche un peu partout en Italie, enfin, il y en a plein d'autres. Mais Sherbrooke, d'ailleurs, que j'embrasse mes amis québécois, où j'habitais rue McGregor et j'ai travaillé quelque temps au restaurant L'Élite, qui n'existe peut-être plus, mais qui était dirigé par un monsieur Roberge. Et j'ai très bien connu le maire qui s'appelait monsieur Pelletier. Vous voyez, je vous donne les noms sans aucun problème. Et j'allais très souvent au Heaton. Le Heaton, c'est un grand centre commercial. Et ça, j'ai passé des moments tout à fait extraordinaires là-bas dedans. Voilà, donc ça, on a fait ça pendant 3 ans et demi. Nous sommes revenus en Belgique parce qu'il voyageait dans son boulot, c'était normal. On est revenu en Belgique, j'ai rencontré un chasseur de tête, un Asiatique, qui s'appelait Monsieur Lee, et il m'a dit, Chris, je vous propose de partir en Angleterre, professionnellement, auprès d'une société qui avait beaucoup de restaurants, si vous voulez, qui démarrait, enfin, ça commençait juste, est-ce que ça vous plairait de tenter l'aventure? Et j'ai dit oui. Parce que j'en avais marre de déménager. Je voulais ma vie à moi, j'avais plus envie de personne, etc. Mais ce que vous devez comprendre, donc bien sûr je suis partie, j'ai vécu des moments mémorables et extraordinaires, mais vous devez comprendre, et ça on le retrouve un petit peu chez les expats. Alors les expats, ça veut dire expatriés. Ici en France, quand on voit comment fonctionnent les gens, ils fonctionnent famille, loisirs, travail. Quand on est de l'autre côté ou dans d'autres pays, c'est travail, loisirs et en dernier, famille. D'accord? Donc, là-bas, je me suis éclatée au niveau professionnel. J'ai vécu des moments hyper, hyper top avec Pierre, bon, mon patron, avec sa sœur Boops et compagnie, et puis Donald, enfin, des tas de gens merveilleux.
Mais si vous voulez, on était tellement investis sur le plan professionnel que je ne me voyais pas faire avoir un gosse, si vous voulez, avec quelqu'un pour le fun et compagnie. Je ne voulais pas de ça, voyez-vous. Parce que ce que je voyais, c'est les tromperies chez les gens. Je voyais les hommes qui n'étaient pas sérieux, donc ça durait un certain temps, puis on passait à autre chose. C'est pas du tout comme en France où les gens doivent absolument vivre une vie de cocon. Ouais, de cocon. Donc tu te maries à 25 ans, tu as des enfants, tu achètes ta baraque, tu as ton chien, et après tu penses au cimetière, voyez-vous. Là, c'était complètement différent. Et puis j'avais mes études de psycho qui revenaient dans ma tête chaque fois. Notamment, c'est le faire comme si en psycho, qui veut dire faire comme si j'avais 19 ans et demi. Donc toute ma vie, j'ai fonctionné en disant, Chris, tu as 19 ans et demi. En arrivant à Londres, j'ai eu l'impression de liberté. J'ai rencontré plein de gens géniaux, mais complètement. Moi, j'aime pas les gens normaux, vous savez. J'aime pas les gens qui sont toujours dans leur bulle, voyez-vous, très éducastrés. Moi, ça me convenait pas. Et là, j'ai rencontré de tout. Voyez-vous, j'ai rencontré bon des gens qui étaient homosexuels, mais formidables. Vous voyez, j'en avais plein au niveau de mon boulot. Des femmes homosexuelles, hommes ou femmes, hein, c'était pareil. J'ai eu des crêtes de coq. En fait, des gens. D'ailleurs, si vous allez à Londres, allez au marché de Camden Town. C'est génial ici. Vous allez vous régaler. Voyez-vous. Et on ne jugeait pas. Et moi, ça me plaisait ça. Voyez-vous. Parce qu'en France, ce que je reprochais, c'est qu'il fallait toujours juger l'autre. Et c'était terrible, voyez-vous. Moi, j'avais pas envie de juger. J'avais juste envie de laisser les gens libres de ce qu'ils avaient envie de vivre, quoi. Donc, j'ai eu une belle vie où c'était juste remarquable. Après, j'ai rencontré un Britannique, Alan. Bon, il avait son entreprise en Belgique et moi, j'étais en Angleterre parce que là-haut, vous ici, vous ne connaissez pas les amis. Mais là-bas, ça se fait. D'accord? D'ailleurs, aux États-Unis, ils prennent l'avion comme nous, on prend le métro, hein, de la même façon pour leur côté professionnel. C'est une évidence. Et tous les expats français que j'ai rencontrés en Angleterre ou en Écosse, super, l'Écosse, notamment Edinburgh, pardon, je vous encourage d'aller à Grass Market, Victoria Street et tout ça, vous ne serez pas déçus du voyage, il y a plein de pubs où on se marre. Voilà. Et oui, on se marre. D'accord? Voilà. Et donc là, tous les expats m'ont dit tous la même chose. Ils avaient l'impression de respirer, de pas vivre sur ce côté clan. Voyez-vous, quand on est avec des clans et tout ça, où on est un petit peu perdu dans notre histoire, voyez, de vie, où on ne peut même pas exister soi-même. Et tout le monde était libre de vivre cette vie-là. Donc, si vous voulez l'histoire des gosses, parce qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, je dirais plus, on ne pense pas à ça. Bon, si ça se fait, ça se fait, mais on n'accorde pas l'importance aux enfants qu'on a ici dans notre côté un peu plus latin, je dirais. Et à ce moment-là, donc, je me suis dit, vraiment, je me suis posé la question, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, d'une part, c'est la liberté, la flexibilité de faire tout ce que j'avais envie de faire à titre personnel. J'avais une soif de vivre ma propre vie. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, tout simplement. J'avais ma propre autonomie financière. C'est vrai que je gagnais très, très bien ma vie là-bas. Ça, sans discuter. Moins de stress et surtout moins de responsabilité. D'accord? Plus de temps pour soi, pour les relations. Enfin, c'est vrai que c'est très festif. Enfin, c'était. Aujourd'hui, Londres a bien changé, malheureusement. C'est pour ça que j'ai dit, je suis retournée en 2018 pour des raisons personnelles. Bon, j'avais des choses à régler et j'ai dit plus jamais, ça m'intéresse pas. On peut contribuer aussi différemment à la société. Vous voyez, moi, j'engageais du personnel. Bon, j'avais mon propre restaurant qui se trouve à Penton Street, près de Piccadilly Circus, si vous voulez. Et parallèlement, je m'occupais de tous les franchisés, puisque c'était mon rôle du staff, hein, du floor, comme on dit en Angleterre, c'est d'engager du personnel. D'accord? Et tous les gens que je voyais arriver avaient cette soif de liberté. Je parle des Français, hein, d'accord? Et si vous voulez, à ce moment-là, j'ai pu me recentrer et me dire quels sont mes objectifs dans ma vie.
Et je me suis dit, ben non, fonce, tu gagnes bien ta vie si tu as des gosses et compagnie, que tu te retrouves seule. Parce que après, vous allez voir la descente, après la chute, quand je suis rentrée en France, j'ai compris que j'avais eu raison. D'accord? Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas eu ce manque-là vraiment. Donc, par la suite, des années plus tard, quand la société a fermé pour une histoire sombre, enfin, on avait fait les hauts lieux de la BBC avec l'émission Panorama, d'accord, c'est Trouble at the Top, d'accord, c'était à l'époque. Et je suis rentrée en Belgique pour rejoindre mon compagnon de l'époque. Et bon, on est resté 3 ans, je me suis occupée de sa société, puis après, je suis rentrée en France. D'accord? Et en rentrant en France, c'est là que j'ai dit mon bonheur de ne pas avoir d'enfant. Alors, vous allez dire, mesdames, certaines vont dire, oui, mais moi j'ai des enfants qui sont merveilleux, etc. Oui, ça peut arriver, et moi je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le jeu, vous savez, on ne sait jamais. Quand je suis rentrée, j'ai revu toute ma famille, enfin, c'est normal, voyez-vous. Et j'ai revu une cousine. Et la cousine, elle m'a dit, elle avait 2 enfants petits quand je les ai laissés, et ils étaient adultes quand je suis revenue, bien sûr. Et quand elle m'a dit, tu sais, Chris, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Et quand j'ai vu la vie qu'elle avait de courir, de se faire du souci et compagnie, oubouddi, je me suis dit, ben heureusement que t'as pas connu ça, voyez-vous. Heureusement, parce que le mari, bien sûr, avait fichu le camp, parce que ça arrive très très souvent. Dire que ce que je reproche aux femmes, la plupart du temps, elles s'investissent en disant, ok, j'ai rencontré l'homme, je vais faire un gosse. Mais quelquefois, ça peut être une fin pour vous, mais pas pour le bonhomme. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas dans le bon sens. Et puis, excusez-moi, à 20 ans, on ne mange pas le même bœuf bourguignon à 40 ou à 50. Quoique, pour certains, oui. D'accord? Mais ça leur convient. Mais pour d'autres, enfin, je dirais presque que c'est rare. Donc, quand je suis revenue ici, j'ai croisé plein de gens d'une certaine façon de vivre. Voilà. Famille, on est resté à la même place toute sa vie, la maison, le bonhomme qui s'ennuie pour certains. J'ai quelqu'un dans mon entourage comme ça, quand vous le voyez, je dis mon pauvre, marqué les cruches, ça existe aussi. Donc, quand j'ai vu tout ça, le côté pipi caca, le côté, voyez-vous ce que je veux dire, toujours être dans la rancœur, où les enfants appellent leurs parents les vieux. Ah oui, parce que mon frère Cadet a appelé ma mère la vieille. Voyez-vous, la pauvre, j'étais petite, elle avait à peine 40 ans, l'autre il l'appelait la vieille. Donc, on était moins potes par la suite, voyez-vous. C'est pour ça que je vais vous dire, dans la vie, il faut apprendre à vivre ce que vous avez à vivre. Et le fait d'avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. Parce que très très souvent, vous voyez les gens qui vieillissent et qui se retrouvent seuls. Mais seuls. Parce que les enfants, on ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour la vie. Mais on ne fait pas des enfants pour soi. Alors, est-ce que je regrette d'avoir eu la vie que j'ai eue? Certainement pas. Et j'en suis ravie, voyez-vous. Je suis plus que ravie de la vie que j'ai eue. Et je me dis, est-ce que je regrette aujourd'hui? Non. Non. En plus, c'est vrai que j'ai jamais voulu me marier. Enfin, je me suis mariée une fois. Alors, mes amis québécois le sauront, à Sherbrooke, devant un proto-notaire. Je pense que ça vous parle là-bas. Mais il fallait que je ramène le papier, qu'on ramène le papier. C'était avec Michel, donc le garde du corps. Il fallait qu'on ramène le papier à l'ambassade et je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc j'ai pris le papier, j'ai déchiré parce qu'en fait, j'étais même pas au courant que j'allais me marier. Encore un bizarroïde, voyez-vous. Mais du reste, avec Michel, on est resté amis. Il est sur Paris. On se téléphone régulièrement, voyez-vous, mais c'est amical. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très amical. Voyez-vous, les amis, c'est pour ça que je dirais aux jeunes aujourd'hui qui veulent s'embarquer dans la vie, ne restez pas sur place. Faites vos expériences. Partez à l'étranger. Vivez votre propre vie. Voyez, prenez la jouissance de votre propre existence. C'est vraiment très important. Que si vous faites votre vie avec le côté qu'on a chez nous de dire faites des enfants, mariez-vous, voyez le côté judéo-chrétien et compagnie, ça va être lourd. D'accord? Partez et faites vos choix. Tout simplement. Mais je vous dirais, est-ce qu'aujourd'hui je regrette de ne pas avoir d'enfant? Pas du tout. D'accord, les amis? Pas du tout. Je ne regrette absolument pas. D'accord? Et je vous dirais,
Actuellement, parce qu'on se rend compte que les gens ont compris ça et qu'ils font beaucoup moins d'enfants qu'avant, on calcule par exemple en France, il y a 20% des femmes qui ont 44 ans qui n'ont pas d'enfants. Et aux États-Unis, il n'y en a 15%. Ça, c'est les études de l'INSEE, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Apprenez à vivre par vous-même, c'est le plus important. Et toutes les femmes qui font carrière, alors je vous donne des femmes comme Oprah Winfrey, Hélène Mirren, Renée Zellweger, Diane Keaton, Condoleezza Rice, Coco Chanel, on n'en a jamais eu, Margaret Thatcher, remarquez la vieille bique, je l'aimais pas du tout, Sylvie Nix, voyez-vous, ou Jane Austen, voilà, Renée Fleming, qui est une grande soprano que, je sais pas si elle a encore envie, Renée Fleming, mais elle a une voix que j'adore quand elle chantait, c'était quoi? Je sais plus, Lakmé, voilà, je crois que c'est ça qu'elle chantait, c'était juste magnifique, somptueux. Voyez-vous, les amis, donc, est-ce que c'est bien d'avoir des enfants? Je ne sais pas, chacun voit midi à 14h. Mais j'en ai marre quand on me dit de m'excuser ou de dire je suis égoïste parce que j'ai dit je ne voulais pas d'enfants et je ne regrette rien, parce que ma vie continue. Dans ma tête, je fais comme si j'avais 19 ans et demi. Il y a suffisamment, enfin je vous donne plein de trucs pour le rajeunissement, vous le savez, mais il y a suffisamment de façons de rester jeune. Je vous rappelle quand même, l'espérance de vie au XVIe siècle était de 26 ans. On n'en est plus là du tout. En plus, on prévoit qu'on va pouvoir garder son corps intact pour très longtemps, encore plus, on parle de millénaire aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu controversé tout ça. Beaucoup de scientifiques en parlent. Automatiquement, vous serez bien dans vos baskets. Donc, non, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que je regrette de ne pas faire Noël, Pâques avec toute une ribambelle? Non. Non, non, non. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le temps, mais mes amis, après la cinquantaine, ils comprendront de bien un peu sauvage. D'accord? On a de moins en moins envie de voir. En fait, j'aime bien les gens, mais si c'est pour me raconter les patins couffins et compagnie, non, je n'aime pas. Voyez-vous, je n'aime pas. J'aime des discussions intelligentes. Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très instruit et très intelligent, donc ce qui me permet d'avoir de très très belles conversations avec lui. Voyez-vous, remarquez, avec le temps, je vais vous dire sincèrement, au plus je vois les gens, au plus j'aime mon chien. Ça vous paraît bizarre? J'ai des amis, alors j'ai des amis très resserrés autour de moi. Voilà, ça m'intéresse pour le restant. Je m'en tape le coquillard! Voilà, les amis, pourquoi je n'ai pas d'enfant, parce que d'une, j'ai pas eu le temps, et d'autre part, faire des gosses avec un type, pas savoir si vous allez rester avec ou non, et la vie me montrer que ça ne durait pas dans le temps, non. D'accord, j'ai même mon gynéco qui m'avait dit, c'est quand je rentre en France. Je suis allée le voir et je lui ai dit, qu'est-ce que, en se tutoyant, on se connaissait depuis mes 17 ans. Et il m'a dit, Chris, tu sais, faire des enfants, c'est comme un cancer. Je sais, il était terrible. J'adorais son humour. Donc, il m'avait refroidi sur le sujet. Voilà. Vous savez tout. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve vendredi pour d'autres aventures. Si vous le voulez bien. D'accord? Si vous le voulez pas, ben, tant pis. Gros bisous tendres. Bye bye. Et soyez pas sages. Vivez votre vie, le restant, on s'en bat les cacahuètes!